Quand je vous dis que les 10 posters portfolio, on peut les encadrer, on les détache, ça se détache super bien, je l'ai fait. Et je peux vous dire que c'est super top. Et ben, je me suis amusé à en encadrer deux. J'ai pris évidemment ce magnifique dessin d'Art Germ. Et puis j'ai pris celui-là que j'adore, la couverture de Batman 50 par Jimmy. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment tout bête à faire. Je vous dis, ça se détache super bien. Ça se détache vraiment super bien. J'ai utilisé un cadre comme ça de chez CM Création, collection même. 40 par 50, ça fait des beaux cadres. Et puis, bah, je suis allé prendre, bien sûr, bah, les bouquins, quoi. Ils sont magnifiques, ils sont tous disponibles sur Original Comics. Je les ai pas tous pris. J'ai pris Frank Cho. Je pense que le prochain, c'est un Frank Cho que je vais encadrer. Voilà, celui-là. Donc finalement, donc du coup, j'ai une page en moins. Donc j'ai un peu détérioré mes livres, mais c'est pas grave parce que ça fait vraiment des jolies choses. Voilà. Là, il y a plein de jolis dessins sur celui-là. Notamment, je crois que je vais encadrer le Arthur Adams, là, ce que j'aime vraiment beaucoup. Je vais également encadrer. Alors là, chez RTGM, il y en a aussi des très très beaux. C'est le volume 2. Mais je dois avoir le volume 1 quelque part. Il est où le volume 1? Hein? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ou alors je ne l'ai pas. Il doit être dans la BD Room. Voilà. Je vais peut-être faire un Frank Cho et peut-être un autre Jim Lee. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très chouette. Voilà, ça donne vraiment super. Je vous invite vraiment à faire pareil quoi, c'est super top. Bon, il y a un peu de reflet là, mais c'est pas mal.